mais il y a de la nuit là. Vous pouvez vous mettre, vous avez vos chaussures pour vous mettre à genoux sur. Il doit être bien aussi. Oui. Hey, mais le prix. Regarde, il y a des pélicans là-bas. Je vois votre tête là, ça fait. Vous êtes personne te gêne. Oh, c'est des Français. Elle m'a dit que je l'ai mardi. Moi, je m'appelle Jean-Paul. Voilà. Regardez, il y en a un autre là. Regardez, il y en a qui sort là. Oh, il est beau. Ah oui. Ils sont magnifiques. Non mais vous les avez sur votre droite. Skibi, skibi. Coucou. Vous avez vu un peu, j'ai appelé. Jean-Paul, viens de nous. Voilà, tu restes là. Reste là. Pas bouger. Bouge-toi. Pas bouger. Vous avez vu un peu. Ils sont habitués. Hein. Salut, Piquette. On y go. Je suis tout près de lui. Coucou toi. Donc ce sont des loutres, trop mignonnes. Bon allez, on traverse, on se partage, on se partage. Oh, ça secoue hein. J'arrive. Ça secoue. Il y a des guépards. Il y a des guépards. Ouais. Bon, ils sont où les guépards? Je les cherche. Les guépards, ils sont en train de dormir. Salut! Elle vient de dire bonjour. Je crois qu'elle a failli tout à la bestiole. Ouais, mais on va éviter de te caresser quand même. Hein. Mince, elle est partie. Il y en a trois qui sont passés là, t'as loupé tes choses. Tiens, il y en a un là. Oh, j'adore les deux. Regarde, il y en a un juste là au-dessus de la surface. Sous la surface là. Et il est en manque d'air.
ça se ressemble. Ils disent que ce n'est ni un loup ni un renard. Ça se ressemble. Je sais pas qui se passe, puis ils sont tous en train de se... On dirait des bruits de jouets pour chiens, alors... Ça fait des pouettes-pouettes un peu, ouais. Le bruit de pouettes-pouettes. Il fait rire avec sa pomme. T'as même des grosses tortues. Ah, ça, elles sont énormes. J'en ai jamais vu des grosses tortues comme ça. Jamais. J'en ai vu au parc de Douai. J'en ai pas le souvenir en tout cas. Et c'est super. En plus du monde. Et ce que vous pouvez voir juste à gauche, lorsque les dauphins, s'apprécient beaucoup, ils peuvent se toucher les nageoires pectorales pour renforcer les liens sociaux, justement. On va vous montrer une technique de chasse aussi qui se passe en Australie. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais seules les femelles maîtrisent cette technique, les mâles ne la connaissent pas, et les mères, éduquent leurs petites femelles seulement, et non leurs petits mâles. Thank you.